Allez, bonjour à toutes et à tous, ici Stellandron pour le 26 ou 27, je sais plus, dans ces eaux-là, épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, la dernière fois, je m'étais fait attaquer dans la base par des extraterrestres, mais j'avais largement géré le truc, aucune perte sur mes unités habituelles, seulement... Oula. Ça a l'air d'essayer de passer par là. Seulement des petits soldats, pas du tout de mon équipe habituellement. Ok, le 3 sectoïdes, ça se fait tranquille. En plus, hop, directos touché. Ouais, non, ça se fait bien, ça se fait même très bien. On va attendre que les sectoïdes viennent, hein. On va pas chercher à comprendre. Toc. Toc. On va recharger un petit coup. Voilà, on va y aller peinard, parce que là honnêtement on a essuyé une méga attaque de 4 sous-coupes. Mais maintenant il n'y a plus l'air d'avoir grand chose, donc on va y aller tranquille peinard. Ouais, alors ça c'est les sectoïdes. Ouh, c'était pas prévu au programme ça. Mais genre pas du tout. Ah ouais, heureusement que j'ai laissé des tirs réflexes. 6, c'est pas mal. Vous avez mon pour... Ah non, même pas mort. Par contre, il a l'air de paniquer. Allez, tu me tues. Non, t'as vu où tu tires? Ok. Ça va pas être très compliqué. Donc on a un 83 et un 69. Là on a un 100. Bon bah 100. Qu'est-ce que j'attends? Voilà, un petit 100. Ça va toujours très bien. Alors là, on a un 87% qui fait du 4 de dégâts. C'est pas mal. Toi, on a un 100% qu'on va mettre en tir à la tête, et si tu pouvais me le tuer. 6, t'es sérieuse là? Il y a un petit 76, tu vas me le finir, boum. Bien éliminé. Toi tu restes là, tranquille. Tu vas recharger. Il n'y a pas un sectoïde là? Ouais, si, il y a un sectoïde. Alors, la grenade frag, est-ce que je pourrais toucher le sectoïde? Ah, il s'est bien calé le petit salaud. Non, on va attendre qu'il sorte de là. Ouais, c'est ça, il va ouvrir la porte. Et boum! C'est ce qui s'appelle éliminer un sectoïde. Pépère, ah oui, en plus t'as ça. Et là en combatif. D'accord. Donc là il n'y a plus rien. On va passer un tour pour recharger, faire le plein. Toc, et ensuite on va se déplacer. Oui. Ah oui, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc on sait qu'il y a quelque chose là-bas, je crois qu'il y a un sectoïde. On n'a pas de sapeur, je crois. Hein. C'est un peu embêtant. Alors, on va voir ce qu'il y a là-bas. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Oh, ça passe. On va avancer, on va aller de ce côté-là. Bon, par contre, toi, ça m'emmerde vraiment que t'aies plus des masses de points de vie. Enfin, t'en as quand même encore beaucoup, mais bon... C'est plus aussi excellent qu'avant. On va descendre. Quoique... Alors, juste, pourquoi j'ai descendu? J'aurais dû monter.
J'aurais dû monter là-haut et m'installer. On va voir ce qu'il y a de là-haut. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais faire pareil avec mon sniper, qui va avoir l'insigne honneur de ce qu'elle est là-haut. Voilà. Ah, toi, tu vas te caler ici. T'as plus beaucoup de PV. Toc. Voilà. Commandant, quelque chose se déplace dans les conduits près de la cellule des machines. Oula. D'où vient ce bruit? Ok, un sectoïde. Un deuxième sectoïde. Un troisième sectoïde. Un quatrième sectoïde. C'est bon? Et un mectoïde. Bon, et un deuxième mectoïde. Ok. Et un sectoïde alpha. Wouah, yolo, yolo, yolo. Priorité sur le sectoïde alpha. Bon. Heureusement qu'il peut faire deux coups. 7. L'idéal, ça serait que tu me le tues. Nickel. Alors, ça, c'était pour m'occuper des... Des caps ioniques, au cas où. Éviter qu'ils s'amusent. Ionicer mes mecs. Alors, là, on a le choix. 87, 65, 85, 85. On va prendre le 87, en plus il est tout prêt. Alors t'es sérieux là? Bon, alors toi. 100, 100, 100. Ok, j'ai le choix. Hein. Sachant que je vais pouvoir en faire deux, si je me souviens bien, à moins qu'il fallait pas que je me déplace d'abord. Ok, 1. Ah si, je peux en faire 2. 2. Me dis pas que je peux le tirer 3 fois. Allez, si, je peux tirer 3 fois. C'est un monstre, mon sniper. C'est vraiment un monstre. Bon, là, il nous reste 2 mectoïdes. Ça va pas être de la tarte, quand même. On risque de prendre bien cher. Mais ça devrait aller. Ah, il reste encore 2 sectoïdes. Je vais bientôt plus avoir de munitions sur... Ouh, bah plus qu'un. le sectoïde qui regardait, énorme. Alors, on va déplacer le gros machin. Allez, tu me tues. Ouais. Plus que 2 mectoïdes. On va se mettre en position. On va se mettre en position. On va mettre un laser diffuseur ici. Toi tu vas recharger. Toi tu vas recharger aussi parce que t'as tiré comme un taré. Toi tu vas te mettre en vigilance. Où est mon sap... mon grenadier? On va se mettre là. En mode recharge. Toi tu vas te mettre... Il n'y a pas de couverture ici. Il n'y a vraiment pas de couverture. Tu vas te mettre là, t'as un fusil laser, c'est plus précis qu'un fusil à diffusion, un fusil laser à diffusion. Toi tu vas te mettre là. Allez, on attend ces mectoïdes. Ok. Raté, bon. C'est pas trop trop grave. Raté. Clairement ça m'a embêté. Ah
Ok. Alors ça, ça m'embête que t'es rien. Toc. Toi, tu le vois même pas. Ok, bon, il va se prendre une grosse, grosse, grosse dérouillée s'il monte. Commandant, nous détectons des signaux dans le système de ventilation du tunnel d'accès avant. Sérieusement? Ok. 6. Sachant que c'était pas celui-là que je voulais qu'il soit en... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, 2-2. Et toi, tu vas nous faire un super coup. 7. Allez. Par contre, ce qui m'embête, c'est celui qui est en bas. Voilà, il n'y a plus de tir réflexe pour l'accueillir. Tandis que lui, bon, lui, il est défoncé, mais... Ok, raté. Un Goliath. C'est ridicule, un Goliath. Insectoïde. Un mectoïde. Je vais finir par tuer que des mectoïdes. Ouh, un méga Goliath qui a l'air de travailler au corps à corps. Ok, 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 ok. Ça rigole pas, les mecs, ça rigole pas. 6, sachant que je vais pouvoir retirer derrière. Faudrait vraiment que je change son arme, parce que là... Non, 98% et tu rates, quoi. T'es sérieux? Réajustement du système de visée. Même lui, à 69, il touche plus. Je peux rien faire sans munitions. Non, j'y crois pas. Alors, toi, tu vas recharger. Toi, tu vas tirer dessus. 3. Et à coup de fusil de précision, on va te finir. Allez, tiens, prends ça. Donc, à partir de là, on va se mettre en mode attente. On va recharger, on va voir ce qu'ils vont faire en face. J'ai pas trop envie de les chercher parce que là, pour l'instant, on est plutôt pas mal en position. Ok. On va recharger. Faire un tour de rechargement. Ou de mode vigilance. Voilà. Voilà. C'est bon, commandant. L'activité alien augmente régulièrement près du tunnel d'accès avant. Ils semblent concentrer leurs forces là-bas. Mieux vaut se préparer. Ouais, bravo. Ils avancent. C'est tout ce qui reste, commandant. Nous ne détectons pas de nouveaux signaux. Si nous les éliminons, le QG sera sécurisé. Ok. Ok. Ok, juste 3 mectoïdes, un méga Goliath. Vous me verriez devant mon écran, vous... Je fais une tête. Hein, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce gros bordel? J'en peux plus. Incroyable. Alors, mon sniper, il voit quelque chose? Non, il voit rien. Et oh. 49, c'est ridicule, 49. On va réessayer. Allez, c'est bon, j'ai cliqué sur accepter. Mais t'es sérieux, de coup raté, quoi. Statistiquement, j'avais quand même une chance de l'avoir. Statistiquement. 19%. 4%. C'est ridicule. On va essayer. Ok. J'en ai carrément lâché ma souris. Pourquoi pas. Ok, tout le monde en vigilance. Là, ça va arriver, mais très très lourd. Chut, n'avais rien entendu.
Comme ça, on va recharger. Toc. Je veux pas bouger parce qu'ici, je suis bien, je suis en hauteur. Pas de problème. Ouais, je sais. Ok. Et voilà. Il est armé pour du corps à corps. Alors vous allez pas vous faire vos petits réflexes un par un parce que là on n'a pas fini. Bon par contre si vous pouviez toucher, il a juste 20 PV. Allez mon super sniper de la mort qui tue. Voilà, mon super sniper de la mort qui tue. Ils font tous leurs petits réflexes les uns après les autres quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon. 79%. 4. Il y a intimidation, sauf que je m'en fous. Les unités mécaniques... Oula! Monté à 83% de dégâts, de chance. Ok, carrément. C'est quoi cette unité qui se rapproche au fur et à mesure quoi? Je sais pas mais j'ai fini par l'avoir. Ok donc là on se méfie. On va refaire un tour. Recharger. Notre vigilance. Prends pas de risque parce que là vu le monde qui nous attend là-bas, j'ai pas trop envie d'y aller tout de suite. Alors, en plus ils viennent à nous, c'est très gentil. Ok, le mectoïde qui arrive. Le premier mectoïde, je sais plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a au moins 3. Au moins 2, peut-être 3. Ok, un chrysalide. Génial. Vous êtes un peu des petits nouveaux, mais au moins, vous servez un peu à quelque chose. On fait celui-là, on fait celui-là. Comme ça, il va pouvoir recharger vu qu'il y a une deuxième action. Mon chargeur est vide, alien à terre. Je me prépare à tirer. Toc. Toi, tu te mets en vigilance. Toi, tu vois rien. En vigilance. Toi, tu vois lui. T'es sérieux là? T'aurais pu le tuer quand même. Cible toujours active. Parce que du coup, je suis obligé d'utiliser mon sniper. Ouais par contre je peux le mettre en vigilance quand même, c'est pas un problème. Allez viens là le mectoïde. Ok donc là on a le l'alpha qu'il va falloir éliminer très rapidement. J'ai dit qu'il va falloir éliminer très rapidement. J'ai pas l'air de comprendre. Non mais vous êtes sérieux là? Allez, raté. Voilà pourquoi il fallait l'éliminer rapidement. Ah non, c'est pas sympa ça. C'est genre pas sympa du tout. Du coup ils ont plus du tout de couverture, ils ont plus beaucoup de PV. Oui, non, là c'est la grosse misère. Mon dieu. Le seul qui a mis son tir quoi, heureusement que c'était un critique. Et sur le tour, c'est le seul qui a réussi son tir de réflexe. Hein. Ça fait 20 minutes, je sais, mais là, je suis en mode
Opération de la mort qui tue. On va se faire ça. Déjà. On va faire un tir de roquette. S'il pouvait choper tout le monde, il chope tout le monde. Ok, plus de sectoïdes alpha, c'est déjà ça. Lui il bouge. Donc là on est avec un laser diffusant qui a un 100% ici. Éliminé. Toi tu te mets en mode vigilance. Toi tu le vois pas. C'est très très embêtant si tu le vois pas. Aïe 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 aïe. Trois. Allez, il faudrait que le prochain il puisse le tuer quoi. Une gâchette rapide, ça fait 44. Allez, tu me le fais le deuxième. Oui. Oui. Il reste le mectoïde. Il reste que le mectoïde. Et là, c'est la grosse, grosse galère, parce qu'ils ont plus de bouclier, ils ont plus... Enfin, ils sont à moitié morts, et ils ont plus de protection. Je vais rester encore un peu avec vous, parce que c'est trop intense. Viens là, le mectoïde. Je t'attends. Je t'attends. Vu. Yes. Règle mon viseur. Ah non non non. Oh ça va, c'est une recrue. Tiens un drone. Ça va. Par contre, j'ai vraiment plus beaucoup de PV. Donc il devient urgent. Yes. Lui, par contre, ce sniper ne rate pas un seul de ses tirs. C'est pour ça que c'est génial. Ok, 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 ok. On va arrêter là pour cet épisode. Suspense, suspense. Est-ce que je vais arriver à finir cette mission sans un mort dans mon équipe ? Je sais pas trop, on va voir. En tout cas, je vous dis à la prochaine dans 3 jours pour le prochain épisode. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !